Salut, Mario. Bonjour. On le sait, la population appuie largement euh, les membres du Front commun dans leurs revendications présentement dans les négociations avec le gouvernement. Mais à partir de la semaine prochaine, disons que le support va être mis à rude épreuve parce que là, on va commencer à ressentir les effets. Tu sais, je t'en ai parlé à quelques reprises. Tu sais, à dans une société, on disait il y a trois ans, une pandémie, on n'a jamais vécu ça. Là. Mm. Bien, une grève générale illimitée, limitée on a déjà vécu ça il y a 40 ans ça fait pas aussi longtemps que la grippe espagnole pour la pandémie oui. ça faisait 100 ans oui, ça. mais ça fait 40 ans quand même Exact. Euh, 40 ans c'est beaucoup de monde là. les gens qui l'ont vécu sont aujourd'hui des retraités des personnes âgées et la population active ceux qui ont les enfants aujourd'hui n'ont jamais vécu ça c'est ça oui. la, la réalité et, et, et depuis quelques semaines on parle de ça puis je l'entends autour de moi puis, je, je, je te l'ai déjà dit, j'avais l'impression que les gens ne savaient même pas de quoi on parlait. C'est-à-dire que, oh oui, une grève. Tu sais, mais... Ça semblait lointain, un ça peu Ça semblait abstrait. lointain. Abstrait, ça, va devenir Peut-être peut une journée ou une demi-journée de perturbation. Et moi, je, je me faisais fort de l'expliquer aux gens, là. Puis là, c'est fou. Hein. J'ai l'impression. De... Je sais que des fois, la population, il faut que tu ailles le nez collé dessus pour le voir. Exact. Mais là, c'est le cas. Et là, j'entends le discours autour de moi, mais même partout, là, même à... Des gens comme quasiment en panique, tu sais, euh, qui disent ok mais c'est quoi cette affaire là, ben, là c'est parce que ça dont on parle depuis le mois de septembre. Ouais ouais mais j'avais pas vu ça de même. <laughs> c'est de même qu'il faut voir ça. Une grève générale illimitée qui commence jeudi prochain. Mais évidemment qui commence pas jeudi parce que ça c'est un petit peu tannant aussi. Là. Tu comprends que les écoles vont être fermées à Montréal maintenant à partir de mardi. Pourquoi Ben là le personnel de soutien est en grève mardi mercredi. Et pendant que le personnel de soutien est en grève, les enseignants sont payés même s'ils ne travaillent pas. Mm -hmm. C'est ça le jeu. Là. Quand un groupe part en grève, l'autre groupe dit Ah, nous on respecte les lignes de piquetage. On ne rentre pas dans un groupe en grève, mais eux, ils ne sont pas en grève et qu'ils sont payés et ils sont payés à rien faire, ce qui va être le cas des enseignants mardi mercredi prochain. Ils vont être payés, mais ils ne peuvent, peuvent pas franchir les lignes de piquetage.' Donc, les écoles vont être fermées. Moi, j'ai reçu en entrevue avant hier la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Mmh. Est-ce que cette grève pourrait-tu durer jusqu'au fêtes, elle a dit en masse? Certainement. C'est un des risques. Ah oui. Donc là, il y a vraiment deux enjeux. Je sais que le premier dont on va parler, Jean-François, c'est les parents, la désorganisation des parents, le marché du travail. Là, on a un travail, il faut y aller. Puis je sais que c'est ça qui va être la. La première urgence de bien des gens, la désorganisation familiale. Bien, ceux qui ont des grands-parents qui habitent à quelques kilomètres et qui sont disponibles et qui sont en santé, ils vont aller aider. Je pense que dans beaucoup de places, dans beaucoup de familles, c'est ça qui va arriver. C'est des grands-parents qui, qui vont aller prendre la relève. Mais il euh, y en a qui ne seront pas capables. Donc, le premier sujet, ça va être ça, la, la, la désorganisation. Je me permets de dire, moi, que c'est le deuxième sujet. Je pense que le premier sujet. Ce sont les enfants. Mm. Parce que, je, je prends l'exemple, arrêtez-vous pour y penser. Prenez l'exemple d'un jeune là, qui est en quatrième, cinquième, sixième année, du primaire présentement. Ouais. Mettons qu'il est en cinquième année. Ça veut dire que sa deuxième année a été bousillée par la pandémie, il est arrivé à partir du mois de mars, il n'allait plus à l'école, puis, bon, on s'en souvient. Sa deuxième année, bon, là, on était plus près. L'enseignement à distance, tout ça était organisé. On avait les outils, mais quand même, l'année a été sérieusement perturbée par la pandémie. On le su, l'enseignement à distance, ça n'avait pas le même oh, effet. Oui. Les experts l'ont confirmé. Il y a des jeunes, particulièrement les jeunes en difficulté. Euh... Ça a eu un effet... Euh, ben oui. diff... C'était mieux que rien. L'enseignement oui. à distance, c'était certainement mieux que rien, mais ça n'a pas été un équivalent. Bon. Donc, l'année passée a été une année, appelons-la plus ou moins normale, là, on ouais. une année de rattrapage, mais qui s'est passée normalement. Et là, cette année, on aura une année aussi perturbée que les années de pandémie, peut-être plus, parce que là, il n'y aura pas. Là, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir rien. Là, non. D'enseignement à distance, c'est la grève. Exact. Même si le gouvernement offre un service à distance, c'est des scabs, Tu comprends? Ah, c'est ouais. contraire à l'esprit syndical. Fait il faut vraiment que ce soit la grève. Fait que les. Euh, Puis, bon, même chose avec les services de garde, il n'y en aura pas non plus. Là, fait. Donc, euh, c'est drôlement inquiétant. Puis, euh, je vois pas. Écoute, on espère toujours un miracle, mais pour l'instant, ça négocie à peu près pas. Et, et les positions sont très éloignées. Les positions sont très éloignées. Euh... Au niveau du salarial, si on prend le Front commun, par exemple, la FAE a parlé moins de salaire, a parlé moins d'argent sur mmh. la place publique. Mais si on prend le Front commun, je rappelle aux gens que leurs positions, leurs demandes sont toujours celles d'octobre 2022. Mmh. Donc, ils n'ont jamais fait une contre-offre. La ministre, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, à chaque fois, elle augmente d'un petit peu, là, mais un petit peu. En pourcentage, c'est un petit peu. En argent, c'est un milliard. La dernière fois qu'elle a, a rajouté un milliard sur sa table, mais en pourcentage, ça fait 1,3 Mais elle a fait une contre-offre, une nouvelle proposition. Mais du côté syndical, on n'en a jamais fait. On est toujours sur les demandes syndicales d'octobre 2022, qu'on avait fait, soit dit en passant, à une époque, puis je ne le reproche pas, à une époque où l'inflation était à 5-6 Là, l'inflation est retombée à 3, puis les experts mmh. disent, l'année prochaine, elle va être revenue, le 2% de la Banque du ouais. Canada va être revenu là l'année prochaine. Mmh. Peut-être que les demandes qui ont été formulées de bonne foi, là, parce qu'on voulait améliorer le sort des employés, mais qui ont été formulées de bonne foi en octobre 2022, peut-être que du côté syndical, on serait rendu à faire une contre-offre pour relancer la négociation. Mais pour l'instant, tout est au point mort, tout est arrêté. Il semble qu'on est même bloqué sur des... Des demandes. Le gouvernement, exemple, demande qu'on soit plus pris à la rentrée scolaire, comme cette année, là, à la dernière minute. Puis... Mais euh... parce que là, on donne les groupes, on choisit les profs. Dans certains cas, on donne les groupes, on se dit aux profs Tu vas être en deuxième année à telle école. Là, on attribue les groupes là, on est à, à certains cas à quelques mm. jours de la rentrée. Ouais. Le gouvernement devrait, dev... aimerait pouvoir s'y prendre d'avance. Mais du côté syndical, c'est une fin de non-recevoir. C'est l'ancienneté. Fait que, tu sais, il faut savoir. Est-ce que Jean-François va bumper Audrey qui lui va aller bumper Mario, va aller bumper l'autre, Bien, tout ça, ben les plus jeunes puis les derniers, mais c'est normal que les autres ben quand toutes les autres auront bumper toutes les autres puis toute l'ancienneté a été respectée. Mais on va arriver le 24 août, le 26 août pour on va dire à tel prof, ben toi tu t'en vas dans tel groupe. Puis... Fait Il n'y a pas grand-chose, pas grand progrès là, qui se fait sur le front de la négociation. C'est assez inquiétant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est cette semaine que les que comme les parents ou la, la société réalise la définition d'une grève générale illimitée, mais comprend pleinement les effets. Et euh, ma seule demande à tout le monde, c'est penser aux enfants dans tout mmh. ça. garder dans tout ce qui s'en vient. Je comprends qu'il y a des droits syndicaux. Ouais. Puis la grève est légale. Le convention collective est échue. La grève est légale. Mais j'espère qu'on va penser aux enfants. Effectivement, c'est l'essentiel dans tout ça. Euh, Mario, les temps sont durs pour euh, l'information, particulièrement l'information régionale. TVA annonçait il y a deux semaines 547 coupures de poste. Il y en a eu d'autres dans d'autres compagnies ailleurs, même le diffuseur public. On parle de coupures éventuelles. Dans les faits, nos politiciens appuient euh, nos médias. En pratique, tu as constaté qu'un peu moins, peut-être? C'est une réflexion que je voulais partager. Voyez, bon, il y a eu des manifestations là, au Saguenay. Euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, Saguenay les gens veulent garder une information régionale. Puis là, ben, mm. TVA garde l'information, mais pas au même niveau. Là, les stations vont fermer. On ne va garder que des journalistes, des caméramans pour aller chercher la nouvelle. qu'on dit qu'il y a une perte régionale, mais là, qui s'additionne. Je veux dire, les fermetures d'hebdo, etc., c'est majeur, là, ce qui a eu comme impact là, au fil des années sur les médias en région, probablement encore plus qu'en ville. Mais sur... cette semaine, ça m'a frappé. T'sais, Gabriel Nadeau-Dubois, puis je veux, veux vraiment pas le viser, parce que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon a fait la même chose la semaine d'avant, mmh. puis François Legault a fait la même chose. C'est cette semaine. Gabriel Nadeau-Dubois réplique à Catherine Dorion, au livre de Catherine Dorion. Puis fait une solide réplique, là, un texte. Tu c'est bien écrit. Tu vois que ça a été travaillé. C'est un texte long, là, plusieurs, ben, plusieurs, plusieurs, plusieurs oh, paragraphes. Oui. C'est un texte, un texte musclé. J'y reproche pas, mais il diffuse ça sur Facebook. Mm. Il diffuse ça sur Facebook. Puis après ça, ben, nous, les médias, ben, le lendemain, le courait après, aller lire Facebook, courait après Facebook. Ouais. Paul Saint-Pierre-Plamondon se retrouve avec euh, une controverse sur l'immigration. Est-ce que son discours va trop loin anti-immigration, ses mm. chiffres, les réduiraient les seuils, sans le besoin de replacer, recadrer le débat? Encore là. Fait un texte là, colossal, là, de contenu, de chiffres, de données. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais son point de vue, là, il Il supporte son point de vue, il étaye son point de vue. Envoyez ça sur Facebook. Mm -hmm. Il fut une époque où on aurait mis ça comme lettre ouverte d'un journal Peu importe lequel. Puis là, c'est dans le devoir. Ou des fois, dans tous les journaux, puis là, les journaux, puis. Mais c'est comme si les mêmes. les mêmes politiciens. Qui vont participer aux manifestations, puis qui vont faire des points de dire oh, on est du côté des médias, du côté des médias, on est du côté de l'information. Mais eux-mêmes, par leur action, ils baissent les bras. Ils ont tourné la page, ouais. Ils ont tourné la page, puis ils disent ben non, les, les réseaux sociaux, on en est. Puis moi, de toute façon, ce que je vois, c'est une dépendance. C'est qu'ils disent les, les réseaux sociaux, on en est dépendants. C'est la seule façon de rejoindre directement nos membres, nos clientèles et puis donc d'envoyer la pub... faisant ça d'envoyer la publicité en Californie d'envoyer tous les revenus aux États-Unis parce que c'est ça là c'est tous les revenus les gens qui veulent savoir ce que pense Paul Saint-Pierre Plamondon bien, leur minute plutôt que de le passer dans un journal plutôt ils vont le passer sur Facebook puis chaque minute passée sur Facebook mais c'est quelques sous ça a okay. l'air de rien quelques sous à Facebook mais additionne les sous à fin de l'année, c'est des centaines de milliards qu'ils ont euh, dans, les, dans les coffres. Là, fait que euh, je, je me disais, c'est comme si les politiciens eux-mêmes, nous, on, on se bat puis on parle de l'avenir mm. des médias, mais nos, nos élus eux-mêmes semblent avoir déjà tourné la page et avoir, euh, avoir fait leur euh, avoir fait leur choix. Et ça, je le dis, tout parti confondu. Là. Absolument, un peu triste quand même. Mario, on te retrouve à 10 heures. Au revoir. Salut.